Bonsoir, chers téléspectateurs, bienvenue dans votre émission Le Dioma Décalé. À l'instant, nous sommes avec l'une des valeurs sûres de la musique guinéenne qui n'est plus aujourd'hui à présenter sur la scène musicale. Il faut le reconnaître, c'est un talent aujourd'hui qui vend son image à travers la Guinée, un peu partout à travers le monde, il faut le reconnaître. Tout dernièrement, elle était du côté de Dakar et aujourd'hui, elle est de retour. Elle va nous parler de cette actualité et pourquoi pas des sujets qui aujourd'hui parlent de cette actualité culturelle, c'est important de le rappeler encore une fois. Merci à tous et bienvenue. Il faut le rappeler aujourd'hui que ce talent, il s'agit tout simplement de Keïla Ké, de son vrai nom, Kadiatou Konté, née à Conakry, activiste et musicienne guinéenne. Keïla Ké est née à Conakry, a grandi entre la Côte d'Ivoire et la Guinée. Keïla Ké a débuté ses études à Abidjan, de la maternelle au primaire, puis elle rentre en Guinée pour poursuivre le cycle primaire. Elle a fait le collège et une partie du lycée, option sciences expérimentales, avant de changer d'option pour la terminale au lycée Mahatma Gandhi et obtient le bac en 2011. En 2012, elle est orientée en journalisme. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui qu'on va échanger beaucoup sur l'actualité qui domine aujourd'hui en Guinée et communication à l'université Mahatma Gandhi de Lambani, d'où elle sort avec une licence en 2014. En 2014, elle sort son premier single intitulé Appelle-moi Keïla et elle se produit sur scène la première fois lors de la journée culturelle de son université, c'était en 2014. En 2016, chez les téléspectateurs, elle sort sa première mixtape Combat composée de 5 titres. En 2019, elle sort My Story, puis Femme Fatale en 2020. Voilà. Elle est chanteuse et se bat contre les violences faites aux femmes. Elle fait son premier album une sorte de biographie et dénonce l'excision. Diplômée de journalisme, Keïla Ké fait ses débuts pendant une année à Évasion, TV et radio, avant de stopper en 2016. Keïla Ké a fait des featurings avec des musiciens guinéens, notamment le reggae-man Takana Zion, Khady Diop, Moussa Mbaye, mais aussi avec la sénégalaise Marema. Elle a joué en Guinée lors des concerts de Black M ici à Conakry, MHD, Ayana Kamoura, puis en Afrique de l'Ouest, notamment du côté du Sénégal, pays de la Teranga. Aujourd'hui, cette star est parmi nous, il faut le reconnaître. Aujourd'hui, on est fiers de la retrouver. Et quand on parle aujourd'hui de Keïla Ké du côté de Dakar, pourquoi pas à l'étranger? Nous, ça nous fait plaisir parce que c'est la Guinée qui bouge. Plaisir, restez avec nous dans un instant. On va entamer quelque chose de somptueux avec elle. C'est dans un instant. Heureux de vous retrouver. Comme je l'ai dit, la star est déjà dans ce plateau. Et c'est important sur Dioma TV au compte de votre émission Le Dioma Décalé. Il s'agit tout simplement de Keïla Ké. Et que nous allons dire bonsoir et bienvenue au compte de cette émission Le Dioma Décalé sur Dioma TV. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs de Dioma TV et à tous ceux qui adorent l'émission Dioma Décalé. Voilà, c'est une première et fois. Et liké 224. 224. Oui. 224, 224. Ouais. Il faut être clair, hein, parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui qui se disent bah, « Attends, pourquoi à chaque fois elle utilise ce slogan 224, 224, 224 ?» 224, je suis fière d'être guinéenne. Voilà. Donc vous l'avez compris, elle est fière d'être guinéen. C'est l'image qu'elle est en train de ressortir au compte de ce titre, 224, 224. Alors Keïla Ké, on va aller dans le vif du sujet déjà avec cette première question. Tu étais du côté de Dakar, on se rappelle du pays de la Teranga. Quel était le but déjà de ce voyage du côté de Dakar? Eh ben, disons que j'étais allée à Dakar pour préparer mon projet d'EP et aussi mon projet d'album sur lequel je continue à bosser d'ailleurs. Et on a fait pas mal de temps à Dakar, on a fait presque l'année 2020 à Dakar et on était bloqués aussi à cause du coronavirus. Sur ce voyage hein, du côté de Dakar, c'était comment? Eh ben, c'était pas mal, tout s'est bien passé. C'est vrai qu'on était un peu stressé à cause de la maladie et tout. On avait envie de rentrer chez nous parce que ça fait pas plaisir d'avoir en tête qu'on est bloqué quelque part, tu vois. Mais on a pris ça positivement et on a bossé sur notre projet d'album et d'EP. D'accord. Et aujourd'hui, vous êtes en Guinée pour plein de surprises. Je suis convaincu de cela, il faut le reconnaître déjà. Alors, on va
aller par rapport également à cette question qui fait feu aujourd'hui à Conakry. Il faut le reconnaître, les gens en parlent, les sites internet en parlent, les radios, ça fait couler beaucoup d'encre et de salive. C'est par rapport aujourd'hui, pour les téléspectateurs, hein, je sais que tu as eu à passer certaines interviews un peu partout dans les stations de médias, mais dans cette, au compte de cette émission, pour les téléspectateurs qui nous suivent, on a envie de savoir réellement plus d'éclaircissement aujourd'hui concernant aujourd'hui ta relation avec le règlement de Guinée-Ntakanazayon. Parce que beaucoup en parlent, hein. Ça parle dans les couloirs. Oui, beaucoup en parlent, mais bon. Même si je reprends tout à l'heure par non, c'est un frère. En fait, les gens, ils ne sont pas convaincus, ils ne sont jamais convaincus. Mais bon, Takana, c'est un frère, comme je le dis tout le temps. Voilà, on n'est pas en couple. Et voilà, quoi, il apprécie ce que je fais et il soutient aussi ce que je fais. Okay. Donc, il n'y a pas grand-chose entre nous. Et cette autre question, c'est de savoir aujourd'hui... parce que nous avons appris qu'actuellement, que tu n'es pas en couple. On a vraiment envie de savoir. Bah ouais. Oui. Mais ça te fait rire? Oui, bien sûr. Ça fait rire, bien sûr. Pourquoi? Eh ben, bon, je sais pas pourquoi les gens s'intéressent à ma vie de couple. Mais c'est bizarre. Tu es une star. Bon, le jour que je serai en couple, là, officiellement, tout le monde va voir. Voilà, vous saurez. Ça ne sera pas de bouche à oreille. Donc, tu es un électron libre actuellement. Oui, disons. D'accord. Oui, je suis libre. D'accord, d'accord. On a appris également dans... que tu es une artiste également qui aime bien Kerfala Kamara KPC. J'ai vraiment envie de savoir pourquoi Kerfala Kamara KPC, pourquoi tu l'aimes tant? Je l'apprécie beaucoup. Pour moi, c'est un modèle de réussite. Okay. Et avec tout ce qu'il a traversé, pour ceux qui connaissent son histoire de ses débuts jusqu'à maintenant, en fait, c'est franchement à saluer. C'est pourquoi je dis que lui, c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. C'est un modèle, en fait, parce que tout le monde inspire aujourd'hui à devenir grand, tu vois, à dépasser même peut-être les KPC et autres. Mm. Et pour moi, c'est un bon exemple pour la jeunesse. Mm. On peut savoir aujourd'hui les projets de Keilaki, c'est quoi? Les plus urgents? On a beaucoup, comme je l'ai dit, il y a un projet d'EP qui est en cours. Et aussi sur le son Excision, comme tu viens de le dire, un combat que je suis en train de mener aujourd'hui. On a un projet de sensibilisation, de tournée à travers la Guinée et tout, une tournée de sensibilisation accompagnée d'un petit concert qu'on fera pour vraiment sensibiliser les gens aux mutilations génitales. Voilà. Ok. Donc ça, c'est prévu pour l'année prochaine ou... Oui, l'année prochaine, si tout va bien. En fait, c'était prévu pour cette année, mais bon, avec tout ce qui se passe en ce moment, on a pris du retard sur les choses. Bon, on n'a pas pris du retard, mais c'était bloqué parce que les choses sont bloquées maintenant. Et comme ça commence à se débloquer et tout, donc on va faire ça pour l'année prochaine, Inch'Allah. Inch'Allah. Mm-hmm. Ok, on va parler de ce titre dont tu fais allusion, l'excision. Qui doit bientôt peut-être être dans le prochain album que tu dois mettre. Il était déjà dans My Story. D'accord. Mm-hmm. Alors, j'ai envie de savoir comment l'idée est venue pour toi de pouvoir interpréter une telle chanson. Pourquoi l'excision pour toi, ça compte? Parce que même dans la chanson, on entend, tu qualifies au fait cette attitude de sauvagerie au fait. Eh bien, l'excision, c'est une mutilation d'une partie, voilà, de la femme. Et pour moi, c'est quelque chose, en fait, qu'il faut combattre parce qu'enlever une partie de la femme, et en plus, excusez-moi, hein, j'ai été victime moi aussi, donc c'est ce qui, d'ailleurs, m'a poussée à faire ce morceau. Okay. Parce que je l'ai vécu, je sais comment ça se passe et tout. Donc aujourd'hui, moi, j'aimerais pas, sincèrement parlant, que ma fille soit victime de ces mutilations. Et c'est un combat que je mène, comme je l'ai dit. Donc j'espère que, voilà, avec la force que vous nous donnez déjà et la force de tous mes fans et tous ceux qui nous regardent en ce moment, on arrivera à mettre fin à ces mutilations. D'accord. Donc ça est dans le projet. Hein? Oui, c'est dans le projet, Inch'Allah. D'accord. Et avant que peut-être qu'on ne fasse un break par rapport à cette interview, j'ai vraiment envie de savoir. Aujourd'hui, il y a eu des artistes qui nous ont quittés l'année dernière et tout. Mm-hmm. Si je te posais la question, comme je pose la question à tous les artistes qui arrivent à passer dans cette émission, quel est l'artiste aujourd'hui que tu aimerais réellement ressusciter afin de faire un featuring avec lui? Un artiste guinéen. Bon, il n'y a pas qu'un seul, hein. Parce que
disons, Maurice Kanté, paix à son âme et tout, on a vraiment voulu faire quelque chose avec lui avant qu'il ne parte. D'accord. Et dans mon prochain, voilà, dans le projet qui arrive, c'est une exclusivité. Vas-y. On a fait un hommage voilà, à Maurice Kanté dans le projet et malheureusement qu'il nous a quittés. Ok. Et s'il y a des... Bon, moi, je ne vais pas dire un artiste, mais il y a des artistes, en fait, que j'aimerais ressusciter. Ok. Commençons par Lasso Doumbouya, un artiste que j'adore depuis petite. Ouais. Je l'adore, franchement, et ça... Ça a été une grande perte pour la Guinée. Mmh. Kerfala Kanté aussi, que j'adore beaucoup, qui nous a aussi quittés. J'espère qu'il repose en paix, voilà. Et voilà, il y a beaucoup d'artistes. Il y a aussi Maurice Kanté qu'on aimerait ressusciter, que toute l'Afrique et tout le monde entier aimerait ressusciter aussi. Ouais. Ouais. D'accord. Alors, un message par rapport au CNRD, aujourd'hui, qui est à la tête du gouvernement pour le secteur culturel, parce qu'il faut le reconnaître aujourd'hui, ça fait maintenant plus de 2 ans que nous sommes en train de traverser une crise sanitaire qui a endeuillé pas mal de familles, que ce soit en Guinée, en Afrique, un peu partout à travers le monde. Je sais, il faut le reconnaître, aujourd'hui, il y a eu beaucoup également qui ont perdu leur travail. Le secteur culturel était paralysé. Donc du coup, beaucoup d'artistes n'arrivent pas réellement à sortir de ce cadre-là. Et toi, aujourd'hui, je pense qu'avec l'avènement du CNRD, il y a des petites opportunités qui sont en train d'être créées par rapport à tout cela pour que le secteur culturel puisse en tout cas aller de l'avant. Toi, aujourd'hui, quel message tu peux réellement lancer à l'endroit du CNRD afin qu'il puisse en tout cas alléger encore plus le secteur culturel pour que les acteurs culturels puissent en tout cas vivre de leurs œuvres aujourd'hui? Bah, hier, avec le journal d'hier, on a appris qu'ils ont voilà, levé le couvre-feu et tout. Ouais. Et je crois que c'est un bon début. Et moi, je dirais qu'ils se concentrent un peu plus, qu'ils écoutent un peu plus voilà, le secteur culturel. Parce que avec cette crise sanitaire et tout, est-ce que ce n'est pas le secteur qui a été le plus touché? Ouais. Et ouais. Sachant qu'en Guinée, les artistes, on ne vit que de ça, en fait. Il n'y a pas autre chose, en fait, tu vois. Donc, on ne vit que de nos petits concerts, de nos showcases et tout qu'on fait. Et faire 2 ans ou plus sans concert, sans rien, ça a été une grande galère pour nous. Donc, écoutez un peu plus voilà, les gens du secteur culturel, écoutez-nous. Et voilà, venez vraiment en aide aux artistes guinéens. Et voilà, quoi. Moi, c'est ce que j'ai à dire, qu'ils nous viennent en aide parce que dans le gouvernement, voilà, on a tendance à laisser ce secteur. On a tendance à laisser les artistes. On nous oublie, en fait, des fois. Donc, venez-nous en aide. Faites de cette culture. Faites une industrie, voilà, pour la musique guinéenne. Parce qu'aujourd'hui, les autres pays, ils ne sont plus à ce niveau, en fait. Ils sont plus à ce niveau. Il y a une vraie industrie. Et en Guinée, il n'y a pas ça encore. Et c'est pourquoi on a du mal à nous faire connaître de l'autre côté, quoi. D'accord. Keïla, qui est dans ce plateau de Dioma TV. Merci à tous et encore une fois à tous ceux qui nous suivent, que ce soit à la maison, pourquoi pas à l'intérieur du pays, à l'étranger, sur le bouquet 244. C'est votre émission, le Dioma décalé. Nous sommes avec l'artiste Keïla qui est au compte de cette émission, le Dioma décalé. Dans un instant, on revient. De retour dans ce studio au compte de votre émission, le Dioma décalé. Merci en tout cas de nous préférer encore une fois. Ça fait plaisir. Dans un instant, nous allons démarrer le live. On va recevoir les musiciens qui vont l'accompagner au compte de cette émission. On va aller déjà avec Dina, hein, qui est du côté de la guitare basse que nous allons recevoir. Juste après, nous allons recevoir également cet autre ténor de la Kora qui a bien voulu également nous honorer de sa présence. Il s'agit tout simplement de Sekou Payton, sapé comme jamais ce soir. C'est un savon foutu, il s'en fout. Donc voilà. Juste après, on va recevoir celui qui est à la batterie. Il s'agit de Dembo qui va nous accompagner au cours de cette émission également. Suivi du seul président des États-Unis d'Amérique, Joe Biden, pour la suite de hostilités. Merci à tous et à toutes. Dans un instant, on va démarrer le live. Les gars, donnez-moi quelque chose. Les danseuses vont venir.
tôt ce matin, il est venu me chercher. Elle m'a souri, m'a lavé plus gentiment que d'habitude. Elle m'a habillé avec la nouvelle robe qu'elle m'a achetée. J'avoue que j'ai trouvé assez louche cette attitude. Où va-t-on? J'ai demandé d'un air innocent. On va rendre visite à une gentille tata, me dit maman. S'il te plaît, je peux prendre ma poupée avec moi? Oui, bien sûr, ma chérie, prends tout ce que tu veux avec toi. Aujourd'hui, mon amour faudra me rendre fière. Je ne comprenais même pas le sens de cette phrase. J'étais loin de m'imaginer ce qu'on allait me faire. Mais j'allais bientôt ressentir tout le poids de cette phrase. Dans la voiture, elle fredonnait un joli air. Sûrement la même mélodie que lui chantait sa mère. Et que la mère de sa mère chantait à ma grand-mère. À mon oreille, pourtant, ça sonnait comme une prière. Et puis nous voilà enfin chez la tata. L'endroit fait peur, fait froid dans le dos. Maman me rassure, me serre dans ses bras. T'inquiète pas, ma chérie, tu sais que je suis là. Avant moi, combien de fillettes de 4 ans ont entendu ces doux mensonges si rassurants? Sois courageuse, sois forte, mon enfant. Avant de m'endormir chaque soir, ce sont les derniers mots que j'entends. Empêtrée dans une souricière. Elle avait des instruments effrayants, des outils de torture, des lames, des couteaux, des scalpels, prêtes à me faire subir la pire des morsures. Maman, où es-tu? J'ai peur, pourquoi tu ne fais rien? Ne la laisse pas s'approcher de moi. Je crie, je me débats en vain. Pourquoi veut-elle retirer mes vêtements? Elle veut baisser mon slip maintenant. Et ma mère qui garde toujours ce silence complice. Je la cherche du regard dans la pièce, les yeux brouillés par les larmes. Et puis soudain, je ressens une douleur causée par la morsure d'une lame. Elle part de mon entrejambe et déchire toute mon âme. Dans ma vie actuelle de femme, j'ai l'impression que les hommes m'agressent avec peine. J'ai vu certaines femmes parler de plaisirs que je ne connaîtrai sans doute jamais et que je ne vivrai pas dans ma chair. Alors j'écris ces mots en espérant qu'un peu d'humanité sévisse dans les cœurs pour en finir avec ces animosités au nom de ma tradition. De 4. Ce son, c'était en hommage à toutes les femmes victimes d'excision. Ce son qui arrive, mes amours, c'est aussi en hommage à toutes ces braves femmes, à ces femmes fatales, ces femmes qui se lèvent tôt et se couchent tard pour leur famille. Femme fatale.
Nenda, Firito, de René Alimane, à Moutimamonella. Guinebidi, Nenda, Firito, Rasto Belangé, Rawali Nama. Guinebidi, Nenda, Firito. Warambe. Colon yamanela rekana yete kan colon iwa fe colon emotima monera swema moali ma yete kan ombe yo maya no botera ba mumuna be woto muto rigine tomura awa mu fini bangena umasira dine ya mu fa monera no wite manenga pala ngora lanara hali mu marigi mu bere mu afira dunye mutana na yarira Guinebirine la fireito, raso belangé, rawali nama. Guinebirine la fireito, de rene alimane a moutima monera. Guinebirine la fireito, raso belangé, rawali nama. Guinebirine la fireito. Je vais le signaler.
partagé. Je l'ai whatsappé, mais il m'a pas reconnu. Il a disparu, mais mes marabouts l'ont pas vu. Comme un politicien qui t'oublie. Une fois élu, il a dévalisé mon cœur, volé mes sentiments avec ses arguments. On peut pas sentir quand il ment. Il maîtrise ses faibles et si j'ai les compliments. Dans la sauce de ses boniments, il y a tous les condiments. Hey, il trompait Adja avec la cousine de son ex Aïcha, la meilleure amie de sa fiancée Amina. Son cœur est artificiel comme acteur de cinéma. Il appelle les Pivani Choco, il va te montrer qui a mis l'eau dans coco. Il m'avait promis de m'amener chez le maire pour signer. On allait se marier devant le maire pour signer. Je vais le signaler, je vais le signaler, je vais le signaler. Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas signé. Il m'avait promis de m'amener chez le maire pour signer. On allait se marier devant le maire pour signer. Je vais le signaler, je vais le signaler, je vais le signaler. Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas signé. De m'amener chez le maire pour signer. On allait se marier devant le maire pour signer. Je vais le signaler, je vais le signaler, je vais le signaler. Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas signé. Je vais le signaler, je vais le signaler, je vais le signaler. Jusqu'à aujourd'hui on n'a pas signé. Je vais le signaler, je vais le signaler, je vais le signaler. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas signé. Il m'avait promis de m'amener chez le maire pour signer. On va aller encore, on va bouger encore plus. Et ça s'appelle la Borombes qui vient. Hein. Localisation qu'on a crié ma ville. Ce soir on a envahi les bois de nuit. Guichet fermé que de VIP. Afro-trapouillant caddie. Sortez vos robes, sortez vos costumes. Trop de soi, on fait trop de victimes. Princesse du game sur le beat. Toutes deux quatre rêves de m'avoir sur un beat. On se déplace en équipe. Follow-moi sur le réseau comme un fanatique. Les jaloux vont se taire. C'est qu'il la qu'est et qu'est et tremblement terre. Monte le volume à la porte des jokers. Mais Bill Guinée, t'as pas idée que même le président a validé. T'es pas équipé pour nous stopper. Nous on peut freiner ta carrière. Waburumbe, waburumbe, waburumbe.
Waburumbe, Waburumbe, Waburumbe. Poupette, poupette, Aburumbe. Poupette, poupette, poupette. Poupette, poupette, poupette. Akira, 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 eh, zee, 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 zee. Waburumbe, 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 zee, zee. Poupette, je vais faire un concours de danse avec Steve.
faire le show ici, Steve et moi. Toi. J'ai envie d'enlever mes talons. Oui, oui, nous deux. Avec Steve, African Queen. Venez au secours, hein? Mais attendez d'abord. Elle veut faire un face à face avec moi. Kayla, oui. Devant Dieu et les hommes. Oui. Tu veux faire un face à face avec moi? Oui. Ok. Téléspectateurs, on va aller avec toi d'abord. On y va. Non, on y va, hein? Non. On y va à deux. Non, 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 non. Face à face. One tu fais one. Pour toi, après, je fais pour moi. Voilà. Il n'y a pas de souci. Attends, je prends ton micro. C'est bon, tu as fini, non? C'était échauffement. Oui. Moi, je ne vais pas me comparer à toi parce que je vais te tuer. Poupette, viens, tu vas me représenter. Poupette va pas te représenter. Non, Poupette va me représenter. La main de la vie. Si Poupette te représente, je serai représenté par Akira. Ah ouais? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème. Bon, attends, je vais danser pour moi d'abord. Après, on va arriver. Je vais danser pour lui. Nemo, faites monter la pression. Qui a gagné? Qui a gagné? Mon frère. Qui a gagné? Qui a gagné, Poupette? Les téléspectateurs vont juger. Tu n'as pas gagné, c'est Kayla qui a gagné. Voilà. C'est la femme, elle est l'invité d'aujourd'hui. Oh my, oh my. Non, j'ai compris, il n'y a pas de problème. On y va. Kayla, showtime, 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 showtime. Est-ce que quand tu ris?
yete kei keri. Eske kantori. Yete kei keri. Na gili kaneta na moyomba. Na lele muya na moyomba. Na na piriya na moyomba. Na moyomba. Na moyomba. Na gili kaneta na moyomba. Lele muya na moyomba. Na na piriya na moyomba. Pourquoi tu te mêles de la vie des autres? C'est facile pour toi d'exposer ces défauts. Pourquoi tu te mêles de la vie des autres? La vie des autres, pourquoi ces défauts? Inadei, 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 souris, inadei, souris, inadei. Inadei, 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 souris, inadei, souris, inadei. Inadei, 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 souris, inadei, souris, inadei. Inadei, inadei. Souvina des souvina des. Rioto fira son son, Rioto fira l'on l'on. Rioto fira l'on l'on, Rioto fira son son. Est-ce qu'il cantori? Il y était qu'il péri. Est-ce qu'il cantori? Il y était qu'il péri. Barakata, le ribide wa mantoro fe con e munoma. Questo qui è bedonge lina yantuma. E munoma se sera la talana mona tanga maya we munoma se sera. E matoro no rinta inya metori inya me calcule rita nantuna ma fe. E domane ya le retour, a besoin de grande tout. La mon plot de rendra fou, e la gaye de retour, give me the beat. Puts on the replay, ya makage no barili kanafei, give me the beat. Puts on the replay, I'm back again, no bang, I'm not pay. Give me the beat. Puts on the replay, I'm back again, no bang, really kinda pay. Give me the beat. Puts on the replay, I'm back again, no bang, really kinda pay. Give me the beat. Puts on the replay, I'm back again, no bang, really kinda pay. Give me the beat. Puts on the replay. Merci. C'était Kayla Kedo de 4, je représente toi-même, tu sais. Yeah, Kayla K. Kayla K. Kayla K. Kayla K. Viens là, viens là, viens là. Poupette, viens, 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 Poupette. Poupette, viens. La régie, c'est bon? Le compte, il est bon? Yes. Ok. Alors, tu vas nous mettre bien. Juste après, on va se dire au revoir. D'accord? Tu vas rester dans le cadre là. Et tu nous fais quelque chose. D'accord? Kayla, ça c'est un bonus, hein? Y a pas de souci. Voilà, Zé, toute la bande, préparez-vous. African Queens. Sa sainteté. Plaisir. African Queens. African Queen pour la suite des hostilités. Au compte de votre émission, le Joma décalé. Poupette, poupette, poupette,
tout. Ami tout. Ami tout. Ami tout. Ami tout. Ami tout. Ami tout. Show, 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 show. Nakanawa. Nakanawa. African Queen à l'instant. African Queen. Voilà, voilà. Kayla, viens, 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 viens. Merci, 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 merci. En tout cas, tous ceux qui nous ont suivis à la maison, un peu partout à Conakry et à l'intérieur du pays, merci de votre fidélité au compte de cette émission, Le Dioman Décalé. Elle était avec nous au compte de cette émission, Ladies Kayla Kay. En tout cas, merci d'être venu. On espère se retrouver très prochainement dans un autre numéro à la sainteté. Allez, au revoir.